Salut à tous. Là, je vais faire mon pont. Vous voyez, bon, alors celui-là, il sera un tout petit pont à l'intendant parce que normalement, c'est un pont de 4 mètres. Donc, tout simplement, là, je vais pas faire 4 mètres, je vais faire juste 2 mètres parce que c'est que 2 mètres d'hauteur. Hein, ce qui est ici, c'est 2 mètres. Donc, en les assemblages, ça fait 4 mètres. Voilà. Donc, alors, poids pour support des jeux de des lumières, 90 kg. Hein. Attention, 90 kg. J'ai bien spécifié parce que j'ai lu sur le truc. Je vous mettrai les liens, vous inquiétez pas. Alors là, je vais faire le pied et je vais vous montrer comment je le fais parce que là, je ne vais pas faire toutes les étapes. J'ai pas pris mon pied caméra. Donc, je vais le faire. Et à chaque fois, je vous le fais présenter. Donc voilà, première partie de cette petite vidéo. Ok ? D'accord ? Donc, et je vous fais présenter les deux autres que j'ai besoin. Que celui-ci. Ok ? Allez, à tout à l'heure. Je reviens tout de suite. À tout de suite. Alors voilà. Donc, tout simple. Là, j'ai fait un petit montage parce que je viens de m'apercevoir qu'ici il n'a pas de trou, donc voilà, ici il n'y a pas de trou, donc il faut dire qu'il faut que je le colle avec l'autre pour faire 4 mètres. Donc, alors le petit souci, c'est soit je vais demander de percer, ou soit je l'emmène à Sonovent et de leur demander si c'est possible de le percer, qui est beaucoup mieux. Donc voilà. Alors bien sûr, je l'ai pas fait complet. Vous voyez qu'ici, normalement, on doit mettre ici une vis. Donc ici, il y a une vis à mettre. Et ici de même. Voilà, ici de même, d'accord. Alors, je peux faire aussi autre chose avec, c'est de raccrocher aussi des jeux de lumière. Hein, je peux faire aussi de ce côté-là, tout ça. Donc là, vous voyez, je vais pas fixer à fond. Vous voyez, j'ai pas fixé à fond. Vous voyez, j'ai pas fixé à fond parce que c'est juste un essai, tout simplement. Vous voyez, c'est juste un essai pour voir comment je pouvais le mettre. Vous voyez, donc tout simple. Hein. Donc voilà. Alors, pourquoi je vous dis que c'est 4 mètres? Parce que j'en ai deux comme ça. Tout simple. J'en ai deux. Donc le deuxième, je vais vous le faire présenter. D'accord? Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà. Donc tout simple. Alors, j'ai de la vis à racheter, donc des vis pour mettre ici, tout simplement. Il m'en faut 3 parce que je viens d'apercevoir que pourtant j'étais sûr et certain de les avoir remis dans mon petit sac en plastique pour les ranger, parce que ça c'est pour relier sur l'autre qui est par terre, donc tout simple. En plus, il faudrait que je pose la question à Sonovent, pourquoi ils n'ont pas mis un autre trou ici, pour que je leur puisse demander si c'est possible. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas fixé pour une animation. Alors, je vous donne la référence quand même. C'est le pont LT4L. Donc, le pont LT4L. Donc il fait 4 mètres, mais normalement je peux le réduire à ma façon. Donc là non. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement. Bah ça va, j'ai pas. Pour l'instant j'utilise pas le truc. Par contre j'ai trouvé un petit défaut et ça je viens de l'apercevoir parce que je l'ai remarqué, je ne l'avais pas avant. Il y avait ici. Voilà, ici, il n'y avait pas sa vis de secours, son truc de secours qui est comme celui-ci. Yep. Voilà. Voilà, il n'y avait pas celui-là, ça déjà. Ça, c'est pas de problème.
je les ai, vous voyez. Donc je les ai, il n'y a pas de problème. Donc sinon, c'est vrai qu'il est bien. Bien sûr, il faut que j'achète des crochets pour mettre. Là, j'ai pas mis, j'ai mis à la hauteur que je veux moi. Hein, parce que pour moi, il me faut. Tout simplement, je vais vous emmener dans le camion. Donc tout simplement, voilà. Donc voilà, j'y vais. Donc tout simple, voilà. Ça, tout simplement, cela, c'est pour mettre sur, pour faire un peu plus haut, voilà. Et donc, je ne les mets pas, pour l'instant, ça ne sert à rien. Donc, j'ai des petites choses à faire, à voir, et tout simple. Donc voilà, le camionnard, moi j'ai un escabeau. Hein, là, la bobonne de gaz, c'est un pote qui joue à, faut que je le ramène là-bas. Là, j'ai des vinyles, des 33 tours et des 45 tours. Donc sinon, voilà. Voilà. Voilà ce que j'ai à faire. Mais tout simplement. Donc, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Bon, vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien. Alors, comme je l'ai acheté en 2017, il valait 249 €. D'accord. Actuellement, la même chose, le même que le mien, il vaut 199 €. Donc, c'est marrant. Ça fait deux fois que ça m'arrive. Une fois avec ma, avec mes platines Pioneer, et une autre fois avec les ouais, c'est ça, avec les platines Pioneer. Et après, bah, avec lui, hein, tout simplement, c'est pour ça que ça fait deux fois. Donc, bien sûr, les Pioneer, je les ai eus à 459 €. Mais entre-temps, je les ai vus à 444 €. Bon, bah, après, ils ont remonté au prix parce qu'ils ont changé. Ils ont la nouvelle 300. CDJ 350, elle est plus élevée que la mienne, disons, elle est plus moderne que la mienne, voilà. Donc voilà. Bon.